Bonjour à toutes, ici Sky Galaxia. J'espère que vous allez tout bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 37e je crois, épisode de Pokémon version platine. Alors, la dernière fois, on n'avait pas réussi à battre Charles, mais là, bon, on a réussi. Alors, déflagration, ça combien? On va enlever. Mon Pokémon Robus anéanti. C'est bon, il a juste fallu que je recommence une fois. J'ai assez de talent pour venir à bout de ma grande équipe de Pokémon. En reconnaissance de ta puissance, je te confie ceci, le badge mine. Et voilà, on a le deuxième badge. Rank 2. Ce badge te permet d'utiliser la capacité force en dehors du combat. Tu possèdes maintenant 6 badges. Cela signifie que les Pokémon tomberont au doigt et jusqu'au niveau 70. Tiens, prends également ceci. Contient Lumino Canon. Elle peut réduire la défense spéciale de la cible quand elle fait mouche. Bon, et du coup... retourne... Et c'est le badge mine, bien joué. Tu es assez coriace pour envisager de devenir le prochain maître Pokémon. Bien sûr, ça n'arrivera pas, étant donné que je suis toujours numéro 1. Enfin bref, accompagne-moi à la bibliothèque Sky. Ce matin, j'aille des Pokémon parce que j'en ai qui est blessé qui ont été. Ciao! Bon, c'est cool parce que dans le fond, Ponyta va bientôt se transformer en galopin et ça va vraiment mieux. Côté défense et attaque et tout. Tiens, te voilà enfin. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, là, tu n'as pas fait un tour. Les deux faire, tu n'as pas récupéré la CS Force. Oh mince alors, bon, vas-y, moi je t'attendrai ici, mais ne traîne pas en route. Et... aïe. Tu peux mettre les voiles? Oui, ah, enlève l'encre. C'est quoi? C'est là qu'on l'a laissé. Attendez. Toi tu es Sky, moi c'est Armand. Oui, je suis un dresseur. Et en effet, c'est un endroit insolide pour s'entraîner. Enfin, c'est toujours un plaisir de croiser des collègues sans cadeau. Cette capsule secrète contient la capacité force. Pour l'utiliser hors de combat, il faut avoir le badge. Oh, mais je vois que tu l'as déjà. Autant pour moi. Bon, je vais m'entraîner à l'intérieur. Tu peux me joindre. Tu peux te joindre à moi si ça te dit. Donc, c'est bon. Je vais aller voir. La bibliothèque. Quelle traîne ça va te... Allez, dépêche-toi un peu. L'encre est partie, on va venir. Quelque chose. On est tout en haut. Salut Sky, hey par ici.
Voilà, Pépé, j'aime le sky comme prévu. Allez, je mets les voiles. Ok, je vois. Tout le monde est là. Hey, tout le monde. Écoutez, vous l'avez peut-être oublié, mais j'ai utilisé les versions des Pokémon. Mais plus je les utilisais, et plus le mystère s'épaisse. Certains Pokémon évoluent et d'autres pas. Qu'est-ce qui les rend si différents les uns les autres? Sont-ils des êtres imparfaits forcés d'évoluer pour survivre? Si c'est le cas, que penser des Pokémon légendaires qui n'évoluent pas? Doit-on déduire que les Pokémon légendaires sont parfaits? C'est là que vous entrez en jeu. On dit que des Pokémon Mirage vivent dans les trois lacs de Sinnoh. Si nous pouvions obtenir leurs données, nous pourrions peut-être faire la lumière sur l'évolution des Pokémon. Un travail titanesque. J'ai besoin de l'aide de chacun d'entre vous. Aidez-moi à trouver ces Pokémon que l'on considère comme des mirages. Eh mais, minute, je n'ai pas eu le Pokédex, moi. Ah, à qui la faute? C'est toi qui as quitté le labo sans me laisser le temps de te donner un Pokédex. Mais peu importe. Voir des Pokémon de tes propres yeux contribuant au développement de talents de dresseur. Monsieur le professeur, ça permet d'étendre la base de données, Pokémon pour faire avancer vos recherches. C'est une chance car j'ai besoin de tout le monde. Il y a trois lacs laser vu que vous soyez trois. Par conséquent, vous allez vous séparer pour visiter chacun des lacs. Lucas, tu auras le lac vérité. Monsieur. Marie, je veux que tu enquêtes sur le lac savoir. C'est loin d'ici, quasiment fermé. La route ne sera pas facile, il faudra être un sacré dresseur. Pas de problème, Pépé, tu me connais. Tu sais bien que je suis le meilleur. Et tu sais quoi? J'avais justement l'intention d'attraper ces Pokémon pour toi. Je te remercie de nous avoir donné nos premiers Pokémon sur 200. Même si je viens juste de m'en souvenir. Très bien, je compte sur vous. Ainsi donc, Sky, il te reste le lac Courage. Il se trouve entre Volaruk et Verchamp. Ma mémoire est bonne. C'est fini? Personne n'est blessé? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? La télé, allumez la télé, les infos, faites quelque chose, n'importe quoi. La vidéo que vous venez de voir a été enregistrée par un témoin sur place. Impressionnant. C'est ce qui pourrait être révélé après cette explosion au lac. Pépé, ils ont bien dit que c'était une explosion? Mais pourquoi au lac Courage? Sortons, je m'inquiète pour la ville. Prudence, en descendant les escaliers, les enfants. Et tu devrais partir maintenant. Cependant, il pourrait y avoir des répliques. Reste sur tes gardes. Du coup. Cette secousse, elle ne veut rien de naturel. Hé, papy, les enfants, vous avez entendu ça? On raconte qu'il y a eu une énorme explosion au lac Courage. Et il paraît que tout est rentré. Eh bien, rentre. Beaucoup de bruit pour rien, j'imagine. Pépé, j'y vais, je me vais présenter. Même pour son. Ce barrier ne tient pas en place. Car je n'ai pas m'imposer, mais j'ai besoin de toi, le courage. Il y a forcément quelque chose qui après une explosion pareille. Quant à savoir de quoi il s'agit, c'est un autre paire de manches. Mais avant que tu partes, je te rassure, ne prends pas de risques inutiles. Nous te rejoindrons dès que nous. En serions enfin fini la vérité. Le lac Courage, je me demande ce qui s'est passé. Allô? Putain. Allez, on y va.
que j'ai pas de ce temps. Même la Team Galaxy n'a pu faire des matchs clubs et sont inutiles. C'était la luxe. Oh, putain, ça me fait peur. Je sais pas. On a déclenché la bombe Galaxy, sa puissance était dévastatrice. Ouais, genre. Désolé. La mission progresse sans accro, le chef devrait être. Nous œuvrons pour le bien du peuple et de la Team Galaxy. Je reconnais ce visage, c'est toi qui as attaqué le bâtiment de la Team Galaxy avec Dijon. Le Jupiter devait avoir honte, tu es si jeune. Mais tous ceux qui résistent à la Team Galaxy seront détruits. La seule pensée de résistance ne saurait être tolérée. Soigner. C'est seul. Une attaque de seul contre le poison. Et
Il n'y avait pas fait de coups. Ah putain, non. Allez, s'il te plaît. Mieux, c'est bon. On va se soigner. Ah, mais je fais des combats et il faut toujours après ça que je vais au centre Pokémon. Bref, non. Putain, ma défense, même pas ce mec. Bim. C'est bon, on coupe cette plus. Toi, t'es coriace, je comprends pourquoi tu nous résistes. Et ouais. Même moi, un commandant, je ne peux pas te retarder. Enfin, ce n'est pas grave. Tu es trop jeune, tu ne pourras jamais inverser le flot du temps. La Team Galaxy trouvera les trois Pokémon légendaires des lacs. Grâce à leur pouvoir, nous fabriquerons un nouvel univers. Alors qu'il est, Mars doit avoir capturé le Pokémon du lac Vérité. Oh, ça fait déjà 20 minutes. Ça passe. Ah, Sky, tu t'en m'as piqué ce voyou de Team Galaxy pour qui le Pokémon légendaire, tu dois aider Luca. Du coup, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de Pokémon version PN. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.